Salut! Bonjour tout le monde! Voici dans la partie 3 de The Wind Waker Zelda. The Wind Waker Zelda. Zelda! Allez, cette fois-là, nous allons embarquer sur le bateau pirate. Yeah! Tu viens avec nous, monsieur Corbeau? Non, monsieur Corbeau, c'est tué. Oui. Il n'est pas tout neuf ton bouclier, dis donc. Tu crois qu'il peut encore servir? Mais c'est pas de ma faute, c'est grande mama, elle l'a utilisé, elle a pleuré dessus. Bon, on verra bien, allons-y maintenant. Tu es prêt? Yes! Non. Mais non, moi je suis prêt! J'en ai marre de rester sur cette île, mais nul! Mais oui, y'a rien. Rien, à part un rocher bizarre qui nous nargue. On n'a pas de bombe. Pourquoi tu veux taper le soleil? Non, c'est bon, c'était pas le soleil. Ouf. Ah, y'a quand même des gens qui nous aiment bien et ils regardent le bateau pirate s'en aller. Mais en fait, ils nous font beaucoup parce qu'ils sont contents que Link s'en aille. Mais non, moi je suis triste. Yeah, cet abruti de Nabo Vert s'en va. Bonne chance, Pierre. Faut trop vite, Ariel. Hein? Bien attention à toi. Ça, c'est hypocrite, hein. Regarde, Tetra, elle sourit. Tetra, elle est happy, elle sourit happy, ça y est, elle a Link avec lui, avec elle. Zut, tu as révélé sa véritable identité. Ah, grande mama, pourquoi es-tu si triste? Ne sors pas, je t'ai dit. Tu sors, tu vas te faire attaquer par le monstre géant. Oh, oh, t'as vu, il y a un rocher bizarre là-bas. Mais t'as vu, il a même pas fait un canon. Qui sait quand tu reviendras? Demain. Alors, tu n'aurais peut-être pas dû partir, hein? Si, j'ai envie de partir. J'ai marre de cette île, à part le gros rocher là-bas. En tout cas, maintenant, tu dois oublier ce que tu quittes et penser à ce qui t'attend. Ou bien, peut-être que tu préfères rentrer tout de suite pendant qu'il est encore temps? Non, c'est trop loin. Ça dépend, si je vois encore le rocher, et ben non, je vois plus le rocher, donc on ne part pas. Bon. Mais alors, qu'est-ce que je fais de beau maintenant, madame machin chose là? Miel! Arrête de tourner en roue comme ça, tu donnes le tournis à tout le monde! J'ai demandé à Nico qu'il s'occupe de toi. Va le voir en bas et demande-lui ce que tu peux faire pour l'aider. Oh non, pas lui! Nico, c'est qui Nico? Je connais pas Nico. C'est l'homme castor. Link, il le connaît trop bien. Vas-y, moi je vais aller dans la chambre de Tetra. On va découvrir ses secrets. Et toi là, qu'est-ce que tu veux? Attends un peu. Ici c'est la chambre de Tetra. Même nous n'y allons presque jamais. Donc vous y allez. Alors toi, hors de question que tu rentres. Alors qu'est-ce que tu fais devant la chambre? Vas-y, moi je vais regarder quand même. Vas-y, je vois pas bien. Tu me gênes, bouge. Histoire Big Lips. Oh mince, il est de retour. On joue un mauvais tour. Il est plus prêtre maintenant, ça y est. Pas encore trop tôt. Ah, te voilà, le nouveau. Je suis ton chef. Je m'appelle Nico. Désormais, tu devras faire tout ce que je te dirai. Alors écoute-moi bien. Bien, nous allons commencer par le test d'admission des pirates. Prépare-toi. Regarde bien ce que je vais faire maintenant pour t'en rappeler. Je suis l'homme castor. D'abord, il faut appuyer sur le bouton qui se trouve ici. Il faut t'approcher et orienter le castor vers le haut pour monter sur le bouton. Oh my god, il a sauté! Comment il a fait? Il n'y a que Link qui peut sauter. Saute sur la plateforme! La plateforme d'après est trop loin pour sauter dessus, alors il faut faire comme ça. Il faut attraper un castor pour se balancer. Tu peux appuyer sur castor pour te balancer à plus ou moins fort et sur castor pour lâcher la corde. C'est un castor, je croyais. T'as vu, il y a un petit papillon qui nous suit. Alors, tu as compris, il faut faire ça plusieurs fois jusqu'à l'entrée de la pièce au fond. Et pourquoi lui, il a pas la limite de temps? Les plateformes ne restaient pas très longtemps en l'air, alors il faut se dépêcher d'aller en face, compris, le nouveau castor. Castor Junior? Castor Junior. Comment? Ah! En général, il faut environ un an pour apprendre à faire ça. Si tu arrives en moins d'un an, je te tire mon chapeau. T'as pas de chapeau. Allez, montre un peu ce que tu sais faire. On n'a pas un an devant nous, nous. Désolé, hein. Moi, je suis trop jeune. Vas-y, moi, je triche. Haha, maintenant t'es bloqué. Oh, le pauvre. Monsieur Castor. Peut-être qu'il veut en manger lui aussi. Ok, je lui donnerai à manger après. Quand j'aurai de la nourriture.
What? Oh, c'est bête, hein. What? Aïe aïe! Qu'est-ce que tu fabriques? Sorte correctement et viens jusqu'ici! J'ai changé de voix entre temps! Ah, et puis j'ai oublié de te dire, parce que je suis trop loin! Quand tu te balances accroché à la corde, tu peux changer la direction dans laquelle tu te balances en maintenant un castor enfoncé en utilisant le castor! Avec castor, tu peux monter ou descendre! Vas-y maintenant, recommence! Je préférais la voix d'avant. Oui, mais. Vu qu'il était plus loin, ben voilà. Pauvre. Non, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé! Parce que. En fait, avec ces chandelles là, enfin ces chandelles, ces lanternes, en fait, il faut se lâcher directement. Oui, j'ai peur de sauter derrière la plateforme. Non, ça va, si tu. Oui, mais j'ai dit directement, j'ai pas dit une seconde après. Yeah. Ah ah yeah. Aïe, aïe. Ah, t'étais mal placé. Tu es-tu un chat? Oui, un peu. Influencé par mon entourage aussi. Mon entourage? Ouais. Tu as un entourage de chat? Oui. C'est beau. C'est pour ça après que tu râles pendant les vidéos. Comment ça? Par exemple, dans la partie 2, je sais pas. Hein. Non! Ah, c'était à cause de mon entourage, oui. What? Eh oui. Non! Là, il faut sauter sur les lanternes. Pas à côté des lanternes. Mais non. Il avait raison, hein. Il faut à peu près un an pour faire ça. Oui, visiblement. What? Non, stop that! Link, il l'a fait en 30 secondes. Miel le fait en un an. Peut-être pas. Non! Je voulais pas sauter! C'est pas gagné! Non! C'est pas joli! Ah, mais non, mais c'est bon, là, c'est bon. Une partie entière pour faire le. Le test du pirate. Bah, il a bien dit un an, après tout. Peut-être qu'un an, ça fait 15 minutes. Un an, ça fait 15 minutes dans le monde de Zelda. Dans le monde de Tetra. Ah, mais je vais rage quitte là, j'en ai marre! Je joue comme si j'avais 10 ans. Mais tu n'as pas 10 ans. Non, c'est vrai, j'en ai 12. En 2 ans, tu ne t'es pas beaucoup amélioré. Là. Ah yep. Yeah. C'est pas drôle. Je n'ai rien dit. Tout le monde n'a rien dit, je crois. T'as vu, je recommence à me doudoubler. Doudoubler. Bon, tant pis, ça a pas marché. Doudou. Je me doudouble. Moi, je me doudouble. Hé, Link, c'est quoi ce faux saut? Bon, Link, t'as pas un an devant toi, j'ai dit. Mais pourquoi il saute trop loin? Parce que tu le fais trop tard. Appuie sur A directement. Mais tu sais que tu n'es pas obligé de rappuyer sur l'interrupteur à chaque fois. Mais si. Non. Ah allez, courage, tu peux le faire. Non. Ça ne fait que 9 minutes que la vidéo a commencé, après tout. Ben oui. Ah, t'étais très mal placé, mais ça va. J'aurais réussi quand même. Là, t'étais encore à l'extrémité. Bon, celle-ci, il faut que tu le fasses bien cette fois-ci au moins. Lasse-toi bien, saute, et voilà. Yeah. Attends, il reste plus que le dernier saut, vas-tu y arriver? Presque. Quoi, déjà? Elle peut reprendre sa voix normale, là. Ah oui, c'est vrai, on est devant. Je sais même plus comment je faisais. Je suis fier d'être ton chef. Tu m'avais pas dit que tu me tirais ton chapeau? Il est où ton chapeau? Ah, je crois que je peux lui donner ça. Je pense que je peux. Bien, je vais t'offrir le trésor qui se trouve dans la pièce à côté. Ce sera la récompense de ton chef Castor. Va vite le chercher avant que les autres n'arrivent. Mais s'il faut un an pour arriver jusqu'ici, c'est bon, on a le temps. Yeah, moi je vais me cacher dans un tonneau. Oh, un coffre.
Adventure de Chief Bang. Ce sac vous sera très utile, notamment pour ranger les objets que vous aurez dérobés à vos ennemis. Ce sac peut contenir jusqu'à 8 objets. Pour en visionner le contenu, positionnez le curseur sur le sac dans l'inventaire et appuyez sur quelque chose. Oh yeah! Ariel! La voix de Ariel! Nous sommes arrivés à la forteresse maudite, entourée de forces du mal. Remonte vite! Et après, nous irons trouver... Au revoir, Castor. Nous irons trouver Ariel avant que le Dark O-O l'utilise pour dîner. Pour dîner? Pourquoi Dark O-O veut manger dîner? Aïe! Coucou, machin. Non! C'est bon. Bye, guys. Ok, let's go. Oh. Miel, je suis là, ici. Ok. J'arrive, j'ai juste à monter une très longue échelle. Et si j'appuyais sur A? Si t'appuyais sur A, bah Miel ne serait pas très content. Tant pis pour D'ailleurs, lui. T'as oublié de donner à manger au castor. Ah oui, c'est vrai, bah tant pis pour lui. Il était pas très gentil du tout. Alors, qu'est-ce que Nico t'a fait faire? Balancer autour de lanterne. Je suis sûr qu'il t'a fait faire un jeu en te laissant miroiter un trésor. Oui, ça, c'était un sac à butin qui ne sert à rien. Mais cela n'a pas d'importance. Par contre, nous sommes arrivés à la fameuse forteresse maudite, entourée de forces du mal. Bien, on y va? C'était quoi ce regard là? Moi j'aime pas ce regard là. Il paraît que cette île était autrefois le repère d'un autre groupe de pirates. Est un pirate. Il est en train de pondre des œufs. Cet endroit a l'air vraiment dangereux vu d'ici. Non, je vois pas en quoi il a l'air dangereux. Oh, regarde! Là-bas! Ouh. Cette fenêtre! Oh, il y a des seagulls. Il faut les manger. Pour dîner. C'est gaulant, ça ne te dit rien? Bon, ça, c'est des oiseaux qui volent au-dessus de la mer, et alors? Je suis persuadé que c'est là que ta sœur est enfermée. Mais moi, je veux pas sauver ma sœur, je veux aller voir Dark O-O. L'endroit a l'air bien gardé. Par des lanternes? Oui, c'est vrai que les lumières, c'est très dangereux. Nous ferions repérer avant même de pouvoir accoster. Comment faire? Il va à la nage. Mais oui, j'ai une idée. Nicky, il a eu du mal avant de comprendre qu'il était dans un tonneau. Hein. Pourquoi je suis enfermé dans un tonneau? Je veux pas rester là-dedans. Tu veux aller dans un wall? Tu veux aller dans un endroit dangereux? Come on! Il faut aller voir ça pour que tu ne te fasses pas attraper tout de suite. Mais je veux pas, moi. On utilise souvent cette méthode et elle marche très bien. Ne te fais pas de soucis, ça va, allez. Comment ça? Vous vous mettez dans des tonneaux et après vous mettez sur des catapultes? Vous êtes tous prêts? Non, moi je suis pas prêt. Il ne faut pas manquer notre coup. Visez bien. Moi je veux pas y aller. 3, 2, ouais, ouais, bon, c'est bon, hein. Peut-être un peu. 1, hein. Ikkyo! Goodbye. Dans le mur, pas dans le mur. Ça fait mal. Oh non, l'épée. Ton épée suffira. Link assommé. Plouf. Oh, ça a réveillé Link. Forteresse maudite. Oh, il y a la pleine lune, c'est beau. Link va se transformer en loup-garou. Eh ben, c'était éprouvant comme situation. Bon, je passe la manette à ce cher Milu. Ouais, yay. Bon, que faisons-nous? Qui c'est qui m'attaque encore? Aïe, sens ton épée dans un endroit pareil. Pardon, mal visé, mais ne fais pas cette tête-là. La pierre que je t'ai secrètement donnée tout à l'heure n'est pas une pierre comme les autres. C'est une pierre qui vole. À cette pierre, je peux voir tout ce que tu fais. Je peux même te parler quand tu vois apparaître. Ah ! Appuie un peu sur le bouton. Un peu seulement. Appuie sur Start, puis L,
trou R pour faire apparaître l'écran statuquette. Tu y verras ma pierre. Mais tu devras me la rendre quand tu auras retrouvé ta sœur. Alors ne la perds pas. Chut, Tetra, je veux pas te parler, tu es une méchante là. Est-ce qu'on commence alors qu'il reste 15 minutes déjà? On a déjà fait 15 minutes. Oui, on va s'arrêter une fois que je serai arrivé en haut. D'accord. Et voilà, je suis arrivé en haut, c'était beau. Bon, eh bien, cachons-nous dans un tonneau à la Solid Snake. Et nous allons vous laisser dans la forteresse maudite. Sur ce magnifique plan. Au revoir, tout le monde. Sur ce, à bientôt pour la prochaine partie.